Les glaces anciennes sont utilisées aujourd'hui comme des archives naturelles qui nous renseignent sur les conditions climatiques du passé. Les chercheurs du monde entier s'appliquent à faire parler les carottes de glace prélevées dans les régions polaires ou sur les glaciers de montagne. À Grenoble, le laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement est l'un des pionniers. Et ce n'est sans doute pas par hasard. La glaciologie, c'est la science qui s'intéresse à la cryosphère, c'est-à-dire l'eau gelée à la surface de la planète, sous toutes ses formes. Ça peut être de la neige, ça peut être du sol gelé, ça peut être de la glace et des glaciers. La glace, naturellement, en fait, c'est une archive du climat. Et cela fait partie de notre travail, d'aller chercher ces archives en forant à l'intérieur d'un glacier jusqu'au socle rocheux et en étudiant des paramètres géochimiques à l'intérieur de la glace qui nous permettent de reconstituer l'évolution du climat, l'évolution de la composition de l'atmosphère, par exemple en gaz à effet de serre. Donc l'effet de serre est un phénomène naturel. La Terre reçoit de l'énergie en permanence en provenance du Soleil et ensuite la surface de la Terre réémet une partie de cette énergie dans les longueurs d'onde de l'infrarouge. Et il se trouve que ces gaz à effet de serre, dans le domaine de l'infrarouge, ont la particularité d'absorber l'énergie et d'en restituer une partie vers la surface. S'il n'y avait pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température moyenne de la surface de la planète serait de moins 18 degrés. Et la particularité qui se passe aujourd'hui, c'est que l'activité humaine rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui ne s'y trouvaient pas naturellement. Et si la preuve du lien entre climat et concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère se cachait dans les bulles d'air emprisonnées dans les glaces ? Cette intuition géniale revient à Claude Lorius, brillant glaciologue grenoblois. Il se souvient du moment de sa découverte. C'était en 1965, en Terre Adélie. Un jour, à la côte, en buvant un whisky, dans une caravane, nous étions une petite équipe à l'abri le soir. Et quand j'ai mis un petit échantillon de glace dans le whisky, j'ai vu les bulles s'en échapper. Et je me suis dit, mais ces bulles, peut-être qu'elles sont les témoins de la composition de notre atmosphère au moment où la glace s'est formée. Alors ça, il nous a fallu un petit moment pour le confirmer, mais ça a été une véritable découverte. Non seulement on était capable de reconstituer la température du passé, mais aussi la composition de cette atmosphère où effectivement, on a vu qu'une des choses qui allait être importante, c'était les gaz à effet de serre. Vous savez, le CO2, le gaz carbonique, non, par exemple, qui est émis à la suite des activités humaines, la combustion, les fumées, les rejets de toutes sortes. Et ça, on a pu établir effectivement l'histoire de ces variations et relier ça à la hausse des températures sur place, mais aussi sur la planète entière. Depuis cette découverte, l'analyse de la composition de l'air enfermé dans les carottes de glace est devenue incontournable pour comprendre l'évolution de notre climat. Donc on prend un petit morceau de glace, on a deux solutions. Soit on fait fondre la glace et on libère dans ce cas-là les bulles d'air qui sont capturées dans la glace, soit on va la broyer. Et en broyant la glace, ben là aussi, on va libérer notre échantillon d'air. Donc tout ça se fait bien sûr sous vide, hein, pour ne pas être contaminé par l'atmosphère ambiante. Et dans des bains d'éthanol qui sont refroidis à moins 80 degrés pour garder vraiment un maximum d'informations. Et après, cet échantillon d'air est envoyé dans un analyseur et on récupère les données sur un ordinateur. Les carottes qui permettent d'extraire les échantillons sont prélevées directement sur les calottes polaires, notamment en Antarctique. On a deux grandes techniques de carottage. La première consiste à utiliser une tête fixée sur un tube. Cette tête est équipée de couteaux et va découper la glace pour qu'on puisse obtenir un cylindre de glace, donc une carotte de glace. L'autre technique, c'est pas par découpage, mais c'est par chauffage. C'est-à-dire on a une résistance thermique qui est sur la tête de forage et on fait fondre le tour de la glace et on récupère toujours pareil un cylindre dans le tube de forage. Aujourd'hui, une nouvelle technique pour améliorer les carottages est en train d'être développée. Il s'agit du projet Subglacior. Subglacior révolutionne quelque part notre approche de la compréhension du climat dans le passé avec les carottes de glace. Habituellement, on va sur le glacier antarctique, on fore une carotte jusqu'à 3-4 km de profondeur et ensuite on ramène la glace au laboratoire pour analyser toute la série d'éléments géochimiques que l'on a l'habitude d'étudier dans la glace. Cette fois-ci, on est parti d'une approche complètement différente. Le principe, en fait, c'est de transformer un instrument de mesure de manière à ce qu'il puisse rentrer dans le glacier
et au fur et à mesure obtenir les mesures qui nous intéressent de paramètres géochimiques. Donc aujourd'hui, on est, on va dire, en phase intermédiaire. Les éléments sont conçus, certains ont été testés. Pendant la saison qui vient, on va terminer les tests. Et si tout va bien, en 2016-2017, on va tester grandeur nature la sonde à Concordia en Antarctique. La découverte de Claude Lorius est à l'origine d'une prise de conscience planétaire de l'impact de l'homme sur le changement climatique, avec notamment la création du GIEC en 1988. Alors le GIEC, c'est un groupe d'experts qui se prononce sur l'évolution du climat. Il est composé de milliers de scientifiques répartis à travers le monde. Et puis, notamment, il est en charge de dresser un rapport tous les 5 à 6 ans sur toutes les connaissances qu'on a sur l'évolution du climat. Alors ce rapport, il est utilisé par tout un tas d'acteurs. Il y a notamment un résumé pour les décideurs politiques qui fait une vingtaine de pages, où il y a les principaux faits marquants du rapport. Les scientifiques se mobilisent aussi plus localement pour alerter autour du changement climatique et informer le grand public. À Grenoble, des chercheurs se sont regroupés au sein du collectif COP21 UGA pour organiser des conférences en amont de la COP21, prévue à Paris en décembre 2015. La COP21 UGA, c'est un collectif de chercheurs de l'Université Grenoble-Alpes qui travaillent sur des sujets liés au changement climatique. Pour répondre à différentes sollicitations autour de la COP21, donc nous, on est sollicités par les hommes politiques locaux, par les associations, par les enseignants, par éventuellement les entreprises également, pour fournir de l'expertise sur le changement climatique. Je pense que ce problème du changement climatique, c'est aussi une formidable occasion d'établir un ordre mondial nouveau. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère. C'est la première fois que l'humanité dans son ensemble est face à quelque chose qui, pour être résolu, demande un engagement de la société dans son ensemble. Il est très difficile de s'engager réellement dans cette lutte. En même temps, on n'a pas le choix. J'ai moi-même des enfants, mes enfants auront des petits-enfants, et mon souhait, c'est évidemment qu'ils vivent sur une planète qui soit la plus habitable possible, sur laquelle ils puissent prospérer, être heureux. Et c'est notre responsabilité à nous, notre génération à nous, de faire en sorte que ces générations futures puissent continuer à profiter de cette planète quelque part, en bonne entente avec les écosystèmes. Et il y a une chose qui, je crois, est importante, c'est qu'on débouche derrière tout cela vers un problème social, qui est, il faudra qu'il y ait plus d'égalité entre les pouvoirs, les moyens qu'ont les populations. Il faut en même temps œuvrer vers une société plus juste, je dirais. Et ça, c'est un effort encore autrement considérable, mais qui se fera peut-être petit à petit.